J'ai été imprimante 2 heures avant mon départ. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Je sais pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une vidéo haul. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver quand j'étais à Lille, puisque j'étais un week-end en fait chez mes parents et j'ai profité pour faire un peu de shopping, pour aller à Primark, tout ça, tout ça. Donc on va commencer tout de suite, on va pas parler trop longtemps. J'ai pris une veste comme ça, donc j'ai acheté ça où, à New Yorker. Je l'ai trouvé à 9,99€, toujours dans la partie homme, hein. Voilà, pour ne pas changer. Une veste comme ça, à l'intérieur c'est orange comme ça. Je l'ai prise en XXL, c'est la dernière veste qui restait, du coup c'était en XXL, donc je l'ai prise quand même parce que c'était un gros coup de cœur. Elle est super bien, par contre pour elle ça chauffe pas de ouf, mais pour la mi-saison tu vois c'est parfait. Il y a des poches comme ça, il y a aussi des poches sur le côté, mais enfin perso je veux pas trop l'utiliser, c'est plus les poches à ce niveau là qui m'intéresse. Et j'aime beaucoup la couleur, c'est vert kaki, tout ça, j'aime vraiment beaucoup, vraiment super, rien à dire. À Primark, donc oui, il n'y a pas Primark, donc moi j'habite à Nantes et malheureusement il n'y a pas Primark à Nantes, donc c'est vraiment dommage. Du coup quand je vais à Lille, ben, j'essaye de faire le... j'essaye d'acheter des choses, mais pas trop non plus parce que sinon je vais pas pouvoir rentrer chez moi avec tout ça, mais... J'ai été à Primark 2 heures avant mon départ. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Je sais pas. Je voulais absolument aller à Primark avant de partir parce que j'ai pas eu le temps samedi et dimanche. Bah, tout était fermé. Je partais lundi à 13h, du coup à 10h. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Du coup, j'ai pris un t-shirt basique comme ça à manches longues. Alors, c'est hyper élastique. Franchement, les gars, là j'ai pris du XS. Et j'aurais dû prendre du XXS. Du coup, ça m'a coûté 8 euros. Donc voilà, il y avait le même en marron, en blanc. Il y avait pas mal de couleurs. Donc, mais j'ai pris le noir parce que c'est un basique. Ensuite, j'ai pris une veste. Alors là, c'était vraiment mon coup de cœur. Parce que de base, cette veste, je devais la prendre sur Shein. Et finalement, j'hésite un peu, j'ai pas pris la veste sur Shein et j'ai trouvé à peu près la même à Primark, comme ça. C'est une veste hyper longue, elle m'a coûté 17 euros et j'ai pris cette veste en taille 48, les gars, parce que je voulais que ça soit très oversize sur moi et très, bon, pas hyper long, mais je voulais quand même de la longueur. Donc ouais, j'ai pris en taille 48, elle est super belle, elle existe en marron, en beige, le marron est trop beau, mais j'ai pris, je l'ai prise en noir parce que c'est un basique et ça passe avec tout, mais si j'ai l'occasion de retourner là-bas, je pense que je prendrai la veste en marron ou même je dirais à ma mère ou même à ma soeur de me le prendre en marron parce que vraiment elle est trop jolie. Donc voilà. Ensuite à Primark j'ai pris une robe comme ça, elle est hyper longue et elle est hyper élastique aussi, en couleur beige, un peu beige, voilà, blanc cassé, beige, voilà. Du coup je l'ai prise en XS parce que vous voyez, c'est comme le t-shirt là, elle est hyper élastique comme ça. Et il n'y avait pas d'autres couleurs, ça c'est dommage parce que sinon je l'aurais prise en d'autres couleurs. Elle a coûté 13 euros et franchement j'ai trop kiffé. J'ai pas de robe basique longue, tu vois, simple. Et c'était vraiment l'occasion, trop jolie. Ensuite à Primark, j'ai pris une jupe en cuir noire,
Donc on pouvait pas essayer exceptionnellement la Primark et je pense que même si je pouvais essayer, j'aurais pas essayé parce que j'aurais sûrement raté mon train. Hein. J'aurais pris 40 dans les cabines d'essayage. Du coup j'ai pris un taille L parce que je me suis dit M, ça aurait été peut-être un peu juste et surtout que j'ai pris du poids ces temps-ci. Donc voilà. Du coup c'est une robe simple, basique, comme ça. Je me vois bien mettre ça avec la veste noire et le t-shirt noir. Ça peut faire un petit look assez sympathique. Du coup j'ai... Alors ça m'a coûté combien? 10 euros et j'ai pris en taille 40. Donc franchement les gars, foncé. Ensuite je suis passée à H&M et j'ai pris un haut comme ça. Alors je pense que vous avez vu ce haut un peu partout sur Instagram. C'est le genre de haut que tu mets avec une chemise longue manche. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer hein. Du coup ça m'a coûté 24,99€ et j'ai pris en taille S. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Ensuite j'ai pris un sac à main comme ça. Donc bon, il y a des trucs dedans hein. Bien sûr, je l'ai déjà utilisé. Du coup, c'est un sac que j'ai acheté ici à Auchan, je crois. À V2, il y a Auchan. Donc, ouais, c'est là que j'ai acheté dans le. En grande surface. Je sais plus combien il m'a coûté. 16 ou 17 euros, je crois. Un truc du genre. Et j'aime vraiment beaucoup. Il est trop cute. Donc voilà, on peut l'ouvrir comme ça. Attends. Hop, là il est ouvert. Hop, et là il est fermé. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est dommage, j'ai pas pu prendre plus de choses. Déjà que j'ai fallu rater mon train à cause de Primark. Et j'avais pas assez de place en fait parce que je suis venue avec une petite valise et en fait j'aurais dû venir avec une plus grande valise et là j'aurais pu acheter plus de choses. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire les articles que vous avez préférés. Je vous mettrai tout en barre d'information. Donc n'hésitez pas à aller regarder la barre d'information s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut !